Bonjour à tous, c'est parti pour les arrivages du jeudi 8 août à Lidl. Juste avant, je voulais vous montrer ces cactus sans peau à 15,99€. C'était un arrivage d'hier, il me semble. Alors aujourd'hui, il y a quelques habits et essentiellement les fournitures scolaires. Alors on va commencer par les pyjas shorts à 5,99€. Donc au niveau des tailles, il y a du 12-24, du 4-6 ans. Alors il me semble que ça devrait aller jusqu'au 4-6 ans ou peut-être au 8. Parce qu'en fait, pour les enfants, à chaque fois, ils ont deux gammes. Ils ont la gamme enfant comme ça, pour les plus petits. Donc en général, c'est de 12 mois. Enfin, parfois, il y a du 1 ou 2 mois. Là, c'est pas le cas. Donc là, ça va être 12 mois. Jusqu'aux 4-6 ans. Et après, ils ont une autre gamme. Je crois que c'est du 8 ans jusqu'à 8-14 ans. Donc 5,99€ les pyjamas licence. Donc il n'y a pas de patrouille. Et Mickey Mini. Et mon petit poney. Ah, celui-là aussi, il est mignon mini. Ensuite, ils ont ces petites peluches à 2,99€. C'est les peluches Lidl. Il y a eu un moment où il les donnait quand vous avez cumulé des points, etc. Je crois que c'était l'année dernière. Et là, ils ressortent les peluches en vente directe. Donc, il y a la carotte, la fraise, le brocoli, il y a le petit rond, il y a la banane. Ensuite, on a les tapis. 100 par 130 à 14,99€. Donc avec Reine des Neiges, il y a Mini, il n'y a pas de patrouille, Cars. Et donc ils font 100 par 130. On va commencer les fournitures scolaires avec tout simplement les cahiers de texte. Donc il y a deux modèles, pour l'instant le pingouin et celui-là, donc ils sont à 99 centimes. Et les agendas. Alors comme j'aime le rappeler à chaque fois, en général les cahiers texte, on va vous les demander jusqu'en CP, CE, enfin pour le CP, CE1. Et puis moi j'ai remarqué qu'à partir du CE2, il y a des maîtresses qui demandent des agendas. Mais il y en a beaucoup qui restent au cahier de texte jusqu'en CN2. Après, pour le choix, normalement vous avez peut-être déjà eu la liste des fournitures scolaires. Et moi ce que je dis, tenez-vous-en à ce que la maîtresse vous demande, parce qu'en général elles savent ce qu'elles demandent. Et d'ailleurs un petit bisou aux maîtresses qui me suivent. Oui, on va regarder à l'intérieur. Pareil, quand vous achetez un agenda, faites attention à l'intérieur comment il est fait, parce que des fois il y a des agendas qui sont pas trop scolaires. Par exemple, celui-là, il est très bien puisqu'on va avoir un jour par page. Donc après, les enfants ou les ados, ils ont amplement la place pour noter leurs devoirs. Ensuite, papier calque, 79 centimes. Donc c'est du 70 grammes. Papier dessin blanc à 79 centimes. Alors là, pareil, faites attention, il y a plusieurs grammages. Donc le grammage, il est indiqué là. Et ça va être selon les besoins du prof, parce qu'en général, ce genre de papier, en général, ils vous le demandent au collège. Enfin, moi, pour les deux. Oui, pour la première, ça a été à partir du collège. Et même moi, étant plus petite, c'était à partir du collège. Copie double perforée, 1,49€. Ah oui, alors je reviens sur quelque chose, parce que vous savez maintenant que j'aime bien parler. Ce genre de papier, vous pouvez aussi l'acheter pour, il a 79 centimes, pour du loisir. Parce qu'en général, vous savez, les enfants, quand ils font de la peinture, en général, à la maison, c'est du papier standard qu'on a. Et du coup, il est fin. Et quand ils dessinent, surtout de la peinture à la peinture, en général, vous voyez, c'est un peu le papier gondole. Parfois, ça traverse. Et avec ce genre de dessin, c'est pas mal parce qu'en fin de compte, ils peuvent faire de la peinture tranquillement. Copie double perforée, 1,49€, les 400 pages. On a des copies simples, 1,49€. C'est des grands carreaux, des porte-vues à 99 centimes, il y a 60 vues. Donc 60 vues, ça veut dire 30, comme le dit, 30 pages. Ne pas confondre, voilà, tout ça m'est déjà arrivé. Les
Donc ne pas confondre, quand je dis ça, c'est par rapport à ce que va vous demander le prof ou la maîtresse. Regardez si elle vous parle de vues ou de pochettes. Et pareil, hein, si elle vous demande des 200 vues, essayez de vous y tenir. Ne vous dites pas, mais non, mais c'est trop gros. Bon, en général, les maîtresses connaissent leur programme et elles savent si il va être rempli ou pas. Et ça vous évitera après de racheter un deuxième porte-vue. Des cahiers Cambridge, donc à 99 centimes. Alors ça, les cahiers, c'est une vraie course de dingue. C'est comme les crayons entre les HB, les 2B, les BB, etc. Les cahiers, en général, c'est les tailles. Hein. Il y a deux tailles, il y a 21, 29, 7. Et l'autre, c'est 32, je ne sais plus. Donc ils sont un peu plus larges. Puis après, il y a le nombre de pages, il y a les petits carreaux, les grands carreaux. C'est vraiment compliqué. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre la liste, vous refaire un tableau en redénotant tout, c'est-à-dire il faut tant de cahiers avec tant de pages, etc. N'y allez pas avec la liste des fournitures parce qu'en fait il y en a un peu partout. Et donc ce qui est sympa dans ces cahiers, c'est que la couverture est rigide. Batterie externe à 6,99€. Donc il y a plusieurs coloris et c'est LG. Plastifieuse, alors elle existe en noir et en blanc. Elle est à 19,99€. Et le petit plus, j'ai vu qu'elle faisait aussi A3. Set de bureau à 9,99€. Vous avez la graffeuse, la perforatrice et le scotch. Taille crayon électrique. Un compas avec ses accessoires à 2,49€. Donc il y a plusieurs coloris, du noir, le rose, le bleu, en gris. Ensuite on a un set de géométrie à 99 centimes. Alors ça pareil, hein, il y a des maîtresses ou des profs qui vont vous demander telle ou telle matière. En général, il y a les souples et les rigides. Moi, ça arrivait qu'on demande les deux. Hein. Donc je vais toujours sur le principe que s'ils demandent des choses particulières, c'est qu'ils savent que dans leur programme, ça sera plus utile qu'un autre produit. Donc ils existent en plusieurs coloris. Hein. Il y a du jaune, du transparent, du rose et du vert. Stylo roller à encre gel, le lot de... Alors donc il y a 10 encres métallisées et 10 encres plus haut. Pour 3,89€. Le lot de chemises A4 ou A3 à 1,99€. Bah écoutez, je crois que ça ne va pas que je tombe sur des chemises aussi grandes. Et c'est pas plus mal parce que surtout quand on est au collège et qu'on leur demande, vous savez, les papiers dessins, les grands papiers dessins, les 32 par 24. Du coup c'est embêtant où il faut acheter, vous savez, une chemise spéciale pour dessin qui est assez chère. Bah là vous avez la chemise à 3. Donc, il y en a deux à chaque fois. Donc pour 1,99€. Ou sinon vous avez le lot de 3 chemises comme ça à 4. À 4. Ensuite on a un bloc à dessin, 1,29€. Donc là, on va être plus dans du loisir. Loisir où je dis ça, mais peut-être qu'il y a certaines écoles qui demandent ce genre de bloc. Donc 1,29€, il y a 100 feuilles à 4,90 grammes. Bloc-notes à spirale. Il y a plusieurs motifs. Hein. 99 centimes. Ensuite, on a des blocs-notes carton au papier à 2,49€. Donc, c'est des blocs de papier. Après, voilà, après ce genre de matériel, je sais qu'aussi les amatrices de loisirs créatifs, scrapbooking, etc., vont trouver leur bonheur. Et donc, il y a ça, papier transparent, pour le bricolage et les loisirs créatifs. Stylo roller effaçable, 1,49€. Avec la petite gomme au bout là. On a des stylos roller encore à 1,29€, donc ceux-là par contre il n'y a pas la gomme.
des gommes à 1,99 centimes. Alors mon petit conseil, ce genre de gomme, c'est vraiment, c'est bien, parce que je sais que surtout au collège, elles aiment bien avoir des, en général en 6e et tout ça, elles aiment bien avoir ce genre de petite gomme assez sympathique, mais prévoyez quand même des gommes, vous savez, rectangulaires, les bonnes gommes, parce que ça en général c'est joli, mais je trouve que c'est pas trop pratique, ou laissez-les à la maison pour plutôt le côté loisir. Et sinon c'est joli, et c'est vrai que d'avoir ça dans sa trousse, ça peut faire fun quoi. Oh, ça faisait longtemps mon ami le lama, puis il est tout sérieux avec ses lunettes en forme de cœur. Donc c'est des cahiers à 99 centimes. Donc après, voilà, ce genre de cahier, c'est plus pour moi des enfin, bloc-notes, plutôt brouillon. C'est des 70 grammes, alors je sais pas après. En général, ouais, moi, pour mes enfants, on m'a jamais demandé ce genre de cahier, mais je pense plutôt, du coup, pour le peut-être fin collège ou lycée. Et l'avantage, c'est que c'est déjà perforé, donc après, on peut mettre les feuilles directement dans son classeur. Et puis, il y a des petites marges qui sont déjà prédessinées. Il y a le petit, les feuilles, le perroquet. Alors, il va y avoir des porte-mines et ardoises à 1,49€. Mais là, la mise dans les bacs n'est pas encore faite. Tout le temps que je termine la vidéo, peut-être que ça sera prêt. On va avoir aussi des cahiers Polypro à 4,49€. Trousse garnie à 5,99€. Après, voilà, ce genre de trousse, comme je vous disais, c'est vrai que c'est joli et tout. Mais ce genre de trousse, ça va être loisir ou pour la maternelle. Sachant qu'en général, à la maternelle, ils leur demandent les maîtresses qu'ils font. Et je trouve d'ailleurs que c'est super ce qu'elles font. Parce que dans certaines maternelles, par exemple la mienne, d'une maîtresse à l'autre, c'est pas la même chose. Alors il y a eu une maîtresse sur mes deux grands, une maîtresse qui a demandé un crayon, gomme et tout ça chez les grands. Et c'est vrai que ça a beaucoup aidé. C'était pour mon fils, ça l'a beaucoup aidé. Parce qu'arrivé au CP, bah, en fin de compte, c'est pas pour leur apprendre à tenir un crayon. Hein. C'est pour leur apprendre, pour moi, à gérer leur matériel. La gomme, en général, ils demandent une gomme, un stylo, un crayon. Et en fait, quand ils arrivent en CP, après, ils sont... en fin de compte, ils sont pas, comment vous dire, ils sont pas surpris du matériel. Je trouve pas mon mot là pour vous dire. Ils sont, voilà, il y a leur matériel, ils le connaissent et ils passent à autre chose. Parce que vous donnez un crayon, une gomme pour un enfant pour la première fois dans une salle de classe, je parle pas de la maison, bah, du coup, je pense qu'il va passer une ou deux heures à jouer avec, à gommer pour rien, enfin bref. Donc je trouve que c'est très bien les maîtresses qui prennent cette initiative. Et donc on retrouve les cahiers. On a aussi une ramette de papier d'impression à 3,99€. Alors ce qu'on regarde dans le papier, hein, parce que tout à l'heure peut-être que je vous dis souvent les grammages, c'est le grammage. En général pour moi le standard c'est du 80, après vous avez du 70, mais c'est un papier un peu plus fin. Pour moi c'est plus pour du brouillon, enfin des choses comme ça. Et il y a 500 feuilles. Donc 3,99€. On a un massicot à bras à 19,99€. Bon, pareil, après, c'est plutôt ça pour le loisir. C'est pour la rentrée scolaire, mais voilà, je pense que c'est plus peut-être pour le loisir ou lycée plus. La même, ça, c'est le resserrage bien, ça. Ah, c'est en fait, en vélo, je vais tout démonter. Vous avez aussi des cahiers petit format à 39 centimes. Donc, c'est des 96. Pages, 17 par 22. Et il y a plusieurs coloris. On a aussi des feutres double pointe à 99 centimes. On a le stylo roller 4 couleurs à 1,49€. Il est en bleu, mais il est aussi en mauve. Du papier millimétré à 79 centimes, les 12 feuilles, le lot de 5 cahiers, 17 par 22, et vous allez peut-être avoir une petite box comme ça, hein. C'est ça, une boîte comme ça, et à l'intérieur vous avez tout ce qui est bic, vous avez le taille crayon, voilà, je vous parlais de ce genre de gomme, hein. Les gommes, les ciseaux, les stylos gel, les Tipex, le lot de... de bic, donc il y en a 10 tout simplement. Le stylo 4 couleurs,
On a les surligneurs, les crayons de couleur, le lot de crayons. On a aussi ces bics là, soft. Alors le lot de 5 cahiers est à 2,29€ et au niveau des bics que je vous ai montré juste avant, c'est 1,79€ l'article. Donc comme celui-là c'est 1,79€, 1,79€, donc tout ce qui était dans la box là, c'est 1,79€. Donc en fait tout ce que vous avez dans la box, c'est 1,79€ l'article. Et on finit par ces cahiers, donc Clairefontaine avec le protège-cahier et puis ça. Alors ça, je trouve ça pratique parce que du coup, on sait où on en est, quoi. On peut mettre ça sur la dernière leçon et puis on sait où on en est. Et donc c'est 2,99€ le cahier protège-cahier. Donc il y a 96 pages et c'est des 24 par 32. Ensuite, on a les bâtons de colle, donc à 1,99€. Donc vous avez les colorés, là, je vous en avais parlé une fois, je vous disais pour les plus petits, c'est pratique parce que comme ça, en fait, ils savent où y mettre de la colle et normalement, ils devraient user moins vite leur tube de colle. Bon, normalement. Vous avez ceux-là, donc c'est 1,99€. Et vous avez aussi le lot de 5 tubes comme ça. Et on va terminer par les parures de lit à 16,99€. Donc c'est des parures de lit donc pour une personne, pour un enfant, avec une taie d'oreiller et une housse de couette. Donc c'est motif double face, assez sympa parce qu'on peut changer avec rabat et 100% coton. C'était ce que je cherchais. Donc vous avez la pâte patrouille. J'ai vu le mini. Voilà, mini. Vous avez Reine des Neiges. Alors 16,99€, c'est vraiment pas cher pour une housse de couette parce qu'en général c'est beaucoup plus. Et puis en plus les motifs sont assez sympas. Et vous avez Cars aussi. Alors on finit par l'ardoise qui vient juste de les mettre. Donc l'ardoise Velleda, donc avec le feutre à 1,49€. Vous avez le lot de porte-mine aussi à 1,49€. Et ça, je crois. Et alors j'ai une assistante aujourd'hui, merci, et un lot de 4 feutres pour ardoise, pareil, 1,49€. Alors donc logiquement j'ai dû tout vous montrer, il reste quelques cahiers Polypro. Bon alors aujourd'hui c'est un peu la course, il y a quand même pas mal de monde qui attendait cet arrivage. Écoutez, j'espère que ça vous a permis de voir un petit peu les fournitures qu'il y avait. Et en avançant, j'ai juste oublié de vous montrer cela. Je crois que je ne vous ai pas montré ces pyjamas là. Enfin, je vous en ai montré au début, mais pas ces personnages. Donc éventuellement, vous avez Mickey comme ça, les Transformers et Avengers, toujours à 5,99€. Donc voilà pour ce petit tour. Donc comme je vous dis, il manque peut-être un ou deux articles qu'il y a aussi dans le catalogue. Je verrai si je les retrouve demain ou après-demain. Je vous les remettrai dans ma vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.